Bonjour à tous, bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Les ministres et les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis hier à Bruxelles pour l'Eurogroupe. La presse de ce matin dit, finalement, on n'a jamais été aussi près d'une sortie de la Grèce de l'euro. Apparemment, ce n'est pas votre avis. Écoutez, moi, ce que j'ai ressenti hier dans cette journée, réunion de l'Eurogroupe, les ministres des Finances, Conseil européen, plutôt des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, c'est un débat qui, pour la première fois, a été à la hauteur des enjeux, qui a été un débat de gravité après le référendum grec. Le peuple grec s'est exprimé, il faut le respecter, mais les Grecs doivent aussi respecter les peuples des 18 autres pays. Et j'ai envie de dire que dimanche, la Grèce n'a pas tourné le dos à l'Europe et que nous ne devons pas tourner le dos à la Grèce. Notre porte, elle est ouverte. Et j'ai senti hier qu'un dialogue, certes très Est-ce compliqué... Est-ce que l'ambiance a changé dialogue, oui. J'ai trouvé le nouveau ministre, M. Tsakalotos, beaucoup plus constructif, beaucoup plus pondéré, beaucoup plus ouvert au dialogue. Et je crois savoir que ça a été aussi le cas de M. Tsipras le soir. Il n'y a pas eu d'arrogance, il y a une volonté de dialogue. Et quand il y a volonté de dialogue, la porte doit rester ouverte. Mais en même temps, soyons quand même lucides et clairs, je ne sous-estime pas les difficultés. Je sais qu'il reste extrêmement peu de temps. Je sais que l'économie grecque est marquée par ces 6 mois. Je sais qu'il y a le contrôle des capitaux, que les banques sont fermées depuis 10 jours. Je pense aux souffrances de beaucoup de Grecs qui ont perdu 25% de leur PIB au cours des dernières années. Et il y a une économie qui est exsangue, qui a besoin de se relancer. Et il y a aussi des obligations qui doivent être remplies. Donc la balle, elle est clairement dans le camp des autorités grecques, dans le camp du gouvernement grec. Nous attendons là, dans les heures qui viennent, une demande d'assistance financière, c'est ce qu'on appelle un programme, de ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte de fonds monétaire européen, et la décision doit être prise dans les très prochains jours. Nous sommes dans le money time, comme on dit en basket, d'ici à dimanche, une solution doit être trouvée, je crois qu'elle peut l'être. Mais est-ce que, contrairement à ce qu'on peut lire un petit peu partout, on est plus proche aujourd'hui d'un accord qu'on l'était, par exemple, dimanche dernier, la semaine dernière ? Je pense qu'on est plus proche d'un accord qu'on l'était dimanche dernier ou la semaine dernière. Je pense que finalement, le référendum grec a servi à quelque chose. Il a servi sans doute à M. Tsipras de se renforcer à l'intérieur en Grèce. Mais il lui a permis aussi, je pense, de prendre conscience qu'il y avait urgence et qu'il fallait un accord. Donc dans cette mesure-là, nous sommes plus près d'un accord. Mais attention, quand le climat que vous décrivez, il existe aussi. Je sens qu'il y a des partenaires de la Grèce qui sont exaspérés. Je sens qu'il y a une attente très forte. Et ce qu'on attend aujourd'hui et demain du gouvernement grec, ce sont des propositions qui soient concrètes, qui soient crédibles, qui soient tangibles, qui soient complètes. Si ces réformes ne sont pas mises sur la table, si ces propositions n'arrivent pas, alors nous allons vers une très grande difficulté. Mais ce que je veux L'Europe dire, c'est que... n'est pas prête à tout pour parvenir à un accord. Non, ça je pense que la perception de chacun, elle est juste. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai, une perte de confiance depuis des mois, le sentiment qu'on a perdu beaucoup de temps, qu'on n'a pas été dans la bonne direction. Il y a, j'ai parlé d'exaspération, en tout cas une lassitude de beaucoup de chefs d'État, de gouvernement et de ministres. Les Grecs doivent en tenir compte. Mais en même temps, il y a aussi cette espèce de sursaut, d'élan, de conscience que la zone euro, c'est 19 États membres, pas 18, que la Grèce, sa place est dans la zone euro. Sa place est dans la zone euro si elle fait les efforts qui sont nécessaires, si elle fait les réformes qui sont nécessaires. Mais encore une fois, la porte est ouverte. Et la Commission européenne que je représente dans ces négociations à l'Eurogroupe, que Jean-Claude Juncker représente au Conseil européen, depuis le début, elle s'efforce de jouer un rôle de facilitateur, de mettre en réseau, en conformité, en harmonie, les institutions, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, nous-mêmes, avec les États membres, avec la Grèce. Et je lance là un appel. Oui, un accord est possible. Oui, un accord est nécessaire. Il est indispensable. Un Grexit serait, pour moi, un échec terrible, un échec collectif. Ce serait quelque chose de proprement historique. Nous devons l'éviter, nous pouvons l'éviter. Mais, encore une fois, c'est aux Grecs de faire maintenant la preuve qu'ils veulent profondément rester dans la zone euro et que pour ça, ils sont prêts à faire les réformes indispensables qui n'ont été que trop longtemps différées. Alors, ces réformes, c'est quoi? Hier, Tsipras est arrivé sans aucune proposition. Qu'est-ce qu'il doit proposer maintenant, concrètement, qui soit acceptable, justement, pour arriver à l'accord? Alors, nous attendons aujourd'hui deux choses. D'abord, une demande en bonne et due forme d'assistance financière du mécanisme européen de stabilité. Ça, c'est facile à demander. Pas si simple, parce qu'il faut quand même que ce soit extrêmement précis, que cela entraîne des conséquences financières
qui soit de soutenabilité de la dette, il faut que ce soit quand même un programme qui soit sérieux, il est toujours conditionnel. Est-ce qu'on attend vraiment À côté de cette demande d'assistance, il faut qu'il y ait aussi un programme de réforme crédible, solide, qui porte sur l'administration fiscale, par exemple, sur l'état de droit, mais aussi sur la TVA, mais aussi sur les retraites, qui montre que... Autrement dit, encore de l'austérité pour les Grecs. Mais non, pas de l'austérité. On ne propose pas d'austérité. On n'est plus du tout dans les cibles budgétaires qu'on demandait il y a quelque temps. On sait qu'il faut aussi, j'en parlais tout à l'heure, tenir compte de la situation du peuple grec, qu'il est indispensable que la situation, j'allais dire, humanitaire de beaucoup de gens en Grèce, qu'il y a beaucoup de pauvreté, énormément de précarité, elle soit prise en compte et elle soit traitée par l'Union européenne. Non, tout ça, c'est clair, non, pas d'austérité. Pas d'austérité, mais des réformes qui permettent à cette économie d'être tout simplement à la hauteur de la zone euro. Être dans la zone euro, ça suppose de la solidarité de la part des États membres. Je crois qu'ils y sont prêts, sous certaines conditions, et de la responsabilité des autorités grecques, pour faire une économie qui soit tout simplement viable, une économie européenne, une économie d'un pays qui a l'euro pour monnaie. Et cette économie-là, elle suppose des réformes qui, encore une fois, n'ont pas été faites depuis des décennies. C'est d'ailleurs là l'erreur initiale, c'est là le problème que nous affrontons, qui se dénoue ces jours-ci, mais qui, au fond, a une racine qui remonte loin dans l'histoire de l'Europe. Si on arrive à un accord dimanche, ça veut dire que l'Europe va encore prêter de l'argent à la Grèce. Il y aura, c'est vrai, de l'assistance financière qui sera faite à la Grèce. Mais vous savez, quoi qu'il arrive, nous aurons à le faire. Parce que, quoi qu'il arrive, il est hors de question de laisser ce peuple, qui est un peuple européen, qui est un pays membre de l'Union européenne, qui est un pays membre de la zone euro. Et on n'en sort pas comme ça. Quoi qu'il arrive, il faut aider les Grecs. Donc n'ayons pas une considération mercantile ou purement financière en tête. Oui, il y a le devoir de solidarité, il est là. Mais ce qui est en jeu, c'est autre chose. C'est l'intégrité de la zone euro, c'est le fait que cette monnaie, qui est la principale monnaie dans le monde avec le dollar, elle reste une monnaie solide, une monnaie unique, elle ne soit pas une simple zone de taux de change fixe d'où on peut s'échapper pour telle ou telle situation. Et puis, c'est aussi notre devoir, notre élan à l'égard d'un pays qui est le pays fondateur de la démocratie, grande civilisation. Comme disait l'autre, on ne peut pas expulser Platon comme cela. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre les Allemands et les Français par rapport à la dette grecque ? La question de la dette n'est pas sur la table en ce moment, même si elle devrait être traitée le moment venu. Non, je pense qu'il y a une approche commune. On voit bien que Mme Merkel et François Hollande travaillent ensemble quotidiennement. Ils se sont vus lundi. Hier, ils ont vu M. Tsipras avec le président de la Commission européenne qui joue un rôle très important. Tous les quatre, il y a cette base-là. Quand la France Donc et l'Allemagne... Le désaccord dont on parle, selon vous, il n'existe pas. Il peut y avoir des différences de sensibilité, il peut y avoir des différences de relations historiques entre les différents pays, mais il y a aussi cette conscience que si la France et l'Allemagne n'avancent pas ensemble, rien ne se fait. Et dans ce dossier-là, l'entente entre Angela Merkel et François Hollande, elle est décisive avec la Commission qui joue, encore une fois, son rôle de facilitateur, son rôle de mise en relation, son rôle de défenseur de l'intérêt général. C'est aussi d'ailleurs comme ça que cela se passe au niveau des ministres des Finances, avec le président de l'Eurogroupe, M. Dijsselbloem, qui joue également un rôle très positif. Non, tout le monde est mobilisé, tout le monde avec le même objectif, que la Grèce reste dans la zone euro, mais tout le monde aussi avec la même exigence que la Grèce fasse les efforts nécessaires, que la Grèce arrive avec une demande d'assistance financière assortie de réformes qui soient crédibles, concrètes, complètes et tangibles. Si c'est le cas, oui, il y a un espoir. Pour qu'il y ait un espoir, il faut qu'il y ait une volonté. Et c'est la volonté des Grecs de montrer maintenant que pour eux, c'est quelque chose d'essentiel que nous attendons. Alexis Tsipras, très bon négociateur. L'histoire le dira à la fin. Sans doute un homme politique habile, intelligent, sans aucun doute, qui défend les intérêts de son pays. Mais maintenant, là, il a rendez-vous avec l'histoire. Parce que c'est dans les jours qui viennent qu'elle se joue, cette histoire. Rester dedans ou rester dehors, ce sera un critère de jugement plus important qu'un vote un dimanche ou un autre dimanche, parce que les votes se succèdent et ne se ressemblent pas, alors que l'histoire de l'Europe, elle s'inscrit dans un sillon profond. Merci. Merci à vous. William, merci vous. Messieurs. Tout à fait autre chose d'ici quelques instants avec Anna Renard, direction Belfort, pour l'un des rendez-vous musicaux les plus importants.